Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Toujours, je continue la série des vidéos destinées aux débutants, aux grands débutants si vous voulez. Alors aujourd'hui, je vous apprends comment travailler des bords réguliers, quand vous crochetez un ouvrage en maille serrée sur des rangs, donc en aller-retour en maille serrée. C'est très simple, suivez. Je défais, voilà, je fais la dernière maille serrée avec vous. Voilà. J'arrive ici à la fin du rang. Je pique ici. Je cherche ma maille serrée. Elle est là. Je vous laisse le tuto des mailles serrées dans la description. Maintenant, j'ai fait ma dernière maille serrée de ce rang, le rang que je travaille dessus. Je fais une maille en l'air et je tourne. Retenez bien que cette maille en l'air n'est pas considérée comme une maille serrée, non. On l'utilise seulement pour pouvoir tourner facilement. Mais ma première maille serrée de ce rang, elle se situe ici. Voilà. Je fais ma première maille serrée. Ensuite, la maille serrée suivante. Et je continue en maille serrée jusqu'à la fin du rang. Je travaille avec vous la dernière maille serrée de ce rang. Je pique le crochet. Voilà. C'est ainsi que j'ai fait ma maille serrée. Regardez, j'ai le bord bien régulier. Une maille en l'air pour tourner. Je tourne. Je pique le crochet ici dans la première maille. Et je fais ma première maille serrée. Et je continue ainsi en maille serrée et ce jusqu'à la fin de ce rang. Encore une fois, j'ai terminé le rang. Alors, je pique. Je pique ici sur la dernière maille serrée. Voilà, je fais ma dernière maille serrée. Je retourne mon ouvrage. Je fais une maille en l'air et je viens exactement ici, là où je me suis levée. Je pique et je fais ma première maille serrée et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé ce petit échantillon. Regardez, regardez, j'ai les bords, regardez, comme j'ai les bords bien réguliers, les deux bords. Parce que c'est un petit échantillon, j'arrive pas à le tenir bien à plat. Vous voyez, comme j'ai deux bords bien réguliers et c'est ainsi que je travaille donc des rangs de mailles serrées en aller-retour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.